La puce, tu me préviens quand le niveau repasse au vert? J'espère que t'as atteint le checkpoint cette fois. Ouais, moi aussi. Enfin, c'est quand même la troisième coupure ce mois-ci. Et si ça continue comme ça, ce sera pas la dernière. Ben c'est vrai, quoi. Nos dirigeants, ils font plus rien. Les grosses entreprises d'énergie, pareil. Elles continuent de creuser, là. Hé, j'espère que t'as bien savouré la possibilité de défoncer des hordes de zombies sans coupure et sans avoir besoin d'un groupe électrogène, quoi. Chloé, tu sais, avec ta mère... Hé, papa! Mais c'est bon, hein, t'inquiète, relax. Je sais que vous vous battiez pour mon avenir. Je sais que vous vous battiez pour un monde meilleur, même. C'est juste que... Bah, tu vois... Je peux pas m'empêcher d'y penser, mais... Mon futur, quoi. Quand toi, t'étais jeune, par exemple, Vivaldi, bah, c'était les 4 saisons. Aujourd'hui, c'est genre... C'est les 4 canicules. On aurait peut-être dû miser un peu plus sur l'énergie solaire, finalement, tu crois pas? Bah, tu vois, ma grande, avec ta mère, notre plus grand pari, c'est toi. Et puis, on était persuadés qu'on pouvait bouger les choses. Mais qu'est-ce que pouvait faire une bande d'illuminés face au reste de la société? Tu vois, quand on était en soirée, bah, on était tous d'accord. Et au final, personne ne voulait vraiment changer les choses. C'est pas qu'ils voulaient pas changer les choses. C'est qu'ils voulaient pas s'adapter. Changer leur quotidien, leur mode de vie. Tu vois, s'ils avaient agi comme maman et toi, s'ils avaient éduqué leurs gosses comme vous, vous m'avez éduqué, bah on n'en serait pas là. À regarder des écrans éteints et cette fichue diode là. C'est le jeu de patience le plus naze au monde, en fait. Ah, mais oui. Viens. Viens, je vais te montrer un truc. Allez. C'est l'un des jeux les plus anciens de notre société. Un jeu d'échecs sérieux? C'est ton grand-père qui m'a appris à jouer. Et tu sais ce que ce jeu m'a appris? Dis-moi, ô grand sage. À m'adapter.